Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Legends Arceus. Nous sommes actuellement donc au village. La dernière fois on avait fait quelques petites quêtes. Tiens, bah d'ailleurs il y en a des nouvelles. On va chercher ça tout de suite et puis ensuite on va aller découvrir la nouvelle zone. Alors qu'est-ce que tu racontes petite? C'est quoi ce Pokémon? Quel Pokémon? Ah, c'est un Magikarp. Magikarp? Pourquoi il s'appelle comme ça? Il est fort ou pas? Il est gentil? Il vole? Alors, c'est un poisson, donc déjà non. Hein, il ne vole pas. Les poissons ne volent pas. Et il est fort, non. Ah, il a trop la classe, par contre. Pourquoi? Pff. D'accord, allez, faudra que je complète la page Pokédex. Donc la dernière fois, après le dernier épisode, j'ai chassé un petit peu, enfin chassé, complété quelques pages de Pokédex, rien de bien méchant. Oui, alors par contre, oui, hop, voilà, Wistikram. Je sais pas à quel moment, c'est pas du tout ce que j'ai vu cette nuit-là, bah oui. Hein, tu penses qu'il faut le voir de nuit pour comprendre? Ma foi, si tu le dis. Ah, bon, faut attendre la nuit, du coup. Donc, du coup, on va aller attendre la nuit. Hein, parce que, bah, il me croit pas. Salut, Arlequin, comment vas-tu? Pas trop impacté par le cyclone? Ah oui, d'ailleurs, autant vous prévenir tout de suite, à tout moment, le stream peut se couper. Hein. Jusqu'à la nuit tombée. Le vent hurle dehors. Eh ben moi, il n'y a pas un souffle de vent pour l'instant. Mais vraiment, quand je dis pas un, c'est rien. Il y a zéro vent. Pas une goutte de pluie, zéro vent. Impressionnant. Mais on est en alerte rouge. Hein. Bon, c'est pas pareil partout. Hein. À certains endroits de la Réunion, ça souffle déjà. Il y a déjà eu quelques petits dégâts. Mais sur l'ouest, on est quand même bien, bien protégé. Oui, oui, j'ai trouvé. Tiens, hop. Je te montre ton Wistikram. Et voilà. C'est le feu au follet que j'avais vu cette nuit-là. C'était donc un Pokémon. Bah oui. Vous êtes les meilleurs. Il va encore se moquer de moi, c'est sûr. Ah, un feu follet! Bah oui, bah il y a cru aussi. Des bonbons expérience. Très bien. Ok, donc du coup, on va aller découvrir la nouvelle zone. Alors, je regarde juste un petit peu mon sac. Mon sac, il est plein. Donc, on va aller vider ça avant de partir. Alors, je me suis renseigné sur les évolutions de Surfrose, c'est un sécateur, ils sont hyper chiants à faire évoluer. Alors Surfrose, c'est pas si chiant que ça, hein. Il suffit d'utiliser 20 fois une attaque, un sécateur pareil, je crois. Ah, il va falloir que je fasse des Pokéballs aussi. Tiens, pourquoi est-ce que ça... Ça n'a rien à foutre ici, ça. Ça, on peut virer. Ah oui, il faut une obsidienne. Mais Surfrousse, en vrai, ça va. Hein, c'est pas trop compliqué. Par contre, non, en vrai... Les galets, je les récupérais. Et le fer, pareil. Eh ben moi, c'est bon, je l'ai, l'obsidienne. J'en avais trouvé une. Il
Voilà, et bam, Ashikater. Je savais pas que j'allais trouver une obsidienne, c'est cool. Ah, yes! Résumé. Insecte roche. Alors, il a 220 en attaque, hein, c'est pas dégueu. Ok. Ah, je dois avoir une pierre-feu aussi. Tac, tac, tac. Ah oui, mais non, attends, pierre-feu, c'est pour faire... Est-ce que ça marche, la pierre-feu? Est-ce que je vais pouvoir faire... Oui, je vais pouvoir faire évoluer Caninos en Arcanin directement. Peut-être attendre un petit peu, je vais le faire attendre, je vais le faire monter au niveau 40. Hop. On va aller faire les confections. Ah, je sais que vous avez hâte de voir la nouvelle zone, hein, mais... Voilà. Alors. On va faire... Ça. Plume Ball, j'en ai 62, il m'en reste 62, ça va, c'est largement suffisant. Et j'en ai, j'ai que 29. Non, pas terrible ça. Et bah du coup, on va prendre des Mass Balls. Et il m'en refaut quelques... Rappel. Super potion, vas-y. Ça, c'est pas mal, hein. C'est assez pratique, les bombes aveuglantes. Bon, ça, j'en ferai, referai, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de thunes particulièrement. Voilà. Et donc du coup maintenant, direction la nouvelle zone. Pas beaucoup de Pokéball quand même, hein. Super Ball, j'en ai 39. Alors. Tiens, réparation massive de Mustaflo. Et donc c'est le contrefort couronné que l'on va découvrir aujourd'hui. Oui, je veux y aller. Apparemment, Batsirai est un petit cyclone, du coup je veux pas voir comment c'était que les gros cyclones comme Hollanda. Il est petit en taille, pas en intensité. Pokémon de type roche et sol, ils sont nombreux dans les environs. Super, j'ai absolument rien pour les affronter. Il me tarde d'aller explorer. Très bien. Alors, attends, par contre... Hop, ça, on va ranger. Tac. Ouais, c'est bon. On va envoyer Serfrousse en premier. Tu racontes un truc, toi? Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Voyons voir un petit peu. On a du Luxio. En vrai, comparé au Landa, au secours, je sais pas l'écrire, il est pas bien puissant. On a des vents à 265 km, à 280 km/h. Si, non, c'est pas un petit cyclone, hein, je t'assure. Parce que. Ah merde, il m'a vu. C'est bon. Allez, sprint bouclier.
Ah non, c'est en style rapide qu'il faut que je le fasse, c'est pas en style puissant, merde. Enfin, d'après mon père, Hollanda fait bien plus de ravages et était plus puissant que celui-là. Alors, plus de ravages, ça veut pas dire qu'il était plus puissant. Un cyclone d'il y a 30 ans, pour la même intensité, a priori, effectivement, ils feront pas les mêmes dégâts. Ah, je suis déjà à niveau de recherche 10 en fait sur lui. Un Shunity, très bien. Ok, parfait, je vais pouvoir le capturer. Ah! Je l'avais pas vu arriver celui-là par contre. Bon, vous me saoulez un peu là. Shinichi, tu vas où là? Bon, après, j'étais pas là donc j'en sais rien à part une chose, je vais pas revoir un autre cyclone avant longtemps. Bon, bon, moi ça me gêne pas là. Merde. Mais il est sérieux l'autre? Ok, bon, cage éclair, d'accord. Mais il est sérieux celui-là? Bon, bah, c'est un faux, c'est mort, je vais pouvoir aller me reposer. Non, mais j'arrive pas à me faire respecter par une chenille, c'est ça. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le... Oh putain. Attends, hop. C'est comment pour... Non, c'est pas ça. Voilà. Ok, allez, comme ça au moins le Luxio, il dégage. Allez, Pokéball, go! Il faut utiliser une Super Ball sur un Shunity niveau 17, 17 quand même. Voilà, merci. Bon, et du coup, on va se reposer parce que moi, mon but là, c'est de faire évoluer Serbilin. Enfin, Serfos. Je n'aime vraiment pas ce starter. Ah bon? Ah, moi, j'aime bien. Jusqu'au matin, on va dire. Tiens, hop. Y a rien ici par hasard? Tiens, un Tarinorme. Putain, cette moustache. Cette tache de Tarinorme. Ah, merde! Salut Antoine, comment vas-tu? Eh ben, moi, ça va bien, écoute. En pleine alerte rouge. Même que l'amiral, je ne l'aime pas, c'est juste celui que je préfère entre les trois, mais sinon je n'aime aucun. D'accord. Ah merde, il m'a vu. Attends. Hop, par contre, du coup, on va faire évoluer Ponyta en galopa tout de suite.
Tellement de classe, tellement de charisme, ce galopin. Bon. Je suis en train d'attendre que le générique se termine. Donc ça veut dire que tu as déjà terminé. Bah GG en tout cas, du coup. Alors, tac, Super Bowl, oui. Parce que Luxray, je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir niveau 10, hein, la page. Il est stylé, mais je préfère Ponyta. J'adore son bleu. Oui, c'est vrai. Je préfère aussi. Pour être tout à fait honnête, effectivement, je préfère aussi. Mais regardez-moi ça. Il est quand même classe. Hop. Hypnose. Ah, putain. Oh, mais sérieux? Voilà. Avec ça. J'ai surkiffé le jeu génial. Je le trouve excellent. Pas parfait. Parce qu'il faut reconnaître que graphiquement, il est pas beau. Il n'est pas moche non plus. Il fait le taf, mais il est pas beau. Il y a quand même quelques textures, c'est vraiment très limite. Mais très clairement, si c'est vers ça qu'on se dirige pour la 9G, j'ai vraiment hâte de la voir. Je me souviens, ma première carte Pokémon, c'était un Ponyta Shiny. Ok, je vais sur Let's Go pour le chasser. Oui, bon, alors on va peut-être se calmer. Par contre, Luxray, on va pas en attraper 50 000. Enfin, si, absolument, il faudrait que j'en attrape 50 000. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, tac, tac, tac. Les Plume Balls, là, ça va me servir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah! Putain, je l'avais pas vu, lui. PTDR, t'es qui? Tu sors d'où? Ah ouais, c'est vrai, faut que je le mette, que je mette ma Switch à charger. Et t'as pas Pokémon Legends? Mais il est sérieux, lui? D'accord. Mais putain! Sérieux, il fait trop mal! Bon, je vais pas revenir à la base à chaque fois, là je vais utiliser un rappel. Ah, il tank, hein! Mais il est sérieux, mais. Mais ils font beaucoup trop mal les Pokémon sauvages par contre quand même. Ou y a que moi qui trouve ça? Allez, sors de là-dedans. Sors de ce truc, voilà. Avec le déménagement, je peux avoir un jeu que pour Noël et mon anniversaire. Et si Breath of the Wild 2 sort en mars, je prendrai Legends pour Noël sans aucun regret. D'accord. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore attendu à annoncer la sortie de Breath of the Wild 2.
Ah, tiens. Une petite flamèche. Non, il risque de le repousser, mais je garde la foi. Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est bien, t'es optimiste. Ah oui, alors attends, hop. Du coup, bon, vas-y. Parce que je vais attraper un peu quelques Yanma. Et puis de toute façon, il faut que j'utilise le style rapide un maximum de fois. Bon, ça va, là, il me fait pas trop mal. Non, ah merde. Je vais l'utiliser en mode rapide. Oh, c'est un Yann Méga. J'avais pas vu. Yes! Parfait. Optimiste et pessimiste aussi parfois, mais j'essaie d'ignorer tous ceux qui disent qu'il va être repoussé pour ne pas l'être. Bon. Je préfère la version réaliste. Sans parler ni d'optimisme ni de pessimisme, il y a des chances qu'il le soit. Mais non, ah, débile. Je ne t'écoute pas, il va arriver cette année, un point, c'est tout. Ah, cette année, oui, c'est fort possible. Il y a de grandes chances qu'effectivement il arrive cette année. Après, est-ce qu'il arrivera avant mars? Il y a peu de chances. Un petit moment, vas-y. Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Oh, mais foutez-moi la paix, les Luxio. Si c'est pas le cas, je prendrai les Jones avant. T'as bien raison, il est excellent. Allez, super. Yann Méga, attrapé. Fève de Du. Herbe souveraine, ok. J'adore balancer des trucs à la gueule des Pokémon. C'est un de mes plus grands plaisirs dans ce jeu. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous. Tiens, ça, je prends, ça m'intéresse toujours. Oh, Kirby, moi, c'est pas mon délire, hein. Pas de Pokémon cette année.
Ah oui, merde! Attends, faut que je me recule. D'accord, donc en fait, du coup, ouais, c'est un dégât sur la durée maintenant, le piège de roc, en plus. En plus des dégâts directs, c'est un dégât sur la durée, ok. Pourquoi est-ce qu'il m'agresse celui-là? Mais je t'ai rien fait, moi, dégage! Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Encore du Yanma, du Yanmega, ok, très bien. En vrai, les remakes et Legends ne m'ont pas hype et ne m'intéressent pas vraiment. Alors, c'est pas vraiment une priorité. Et puis, c'est Skyward Sword. Alors, très honnêtement. Attends. Ah oui, pardon. Ok, excusez-moi. Très honnêtement, pour moi, Arceus, c'est le meilleur jeu Pokémon, peut-être auquel j'ai jamais joué. Lame d'air, est-ce que je le tank? Non, je le tank pas. Pourquoi je l'ai pas capturé au fait, celui-là? Bon, c'est pas très grave. Ah oui, non, mais bien sûr. Chacun son avis. Moi, je te donne le mien, justement, ce qui est que Arceus. Pokémon Legends Arceus est le meilleur jeu Pokémon auquel j'ai jamais joué. Voilà, hop. Alors, rien de particulier ici. Est-ce que je pouvais aller de l'autre côté? Pas fait gaffe. Ouais, je peux passer par là. Bien sûr que ça passe. Par contre, la 5G restera dans mon cœur à tout jamais, ayant joué ou pas à la Pokémon Legends Arceus. Pour moi, il y a un truc qui manque, hors amélioration légère des graphismes, c'est un système à la Let's Go avec par exemple un mouvement du Joy-Con pour lancer une balle. Alors, je vois ce que tu veux dire, je comprends l'argument, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans la mesure où. Bah, en fait, le jeu, il y a bien assez de choses à faire dans le jeu à part ça. Pour moi, ça serait plus du gadget. Alors ça peut être sympa, hein, je dis pas le contraire. Mais pour moi, ça ne manque pas au jeu. Est-ce que je peux passer par là? Est-ce qu'il y a un mur invisible qui va me bloquer? Non, je peux passer. Je peux complètement passer. Ah non, j'ai rien dit. Ah si si, je peux passer. Ouais, je peux passer. Bon, on va éviter de se spoiler le reste de la zone trop vite.
Par contre, pas de Pokémon de type eau là-dedans? Oh, la déception. Oui, dans l'esprit, ça irait bien. Alors, l'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle, dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Et puis, les Joy-Con sont aussi pratiques qu'une Wiimote sur Skyward Sword quand tu joues à Let's Go. Oui, je veux vraiment Skyward Sword, je sais pas si t'as remarqué. J'ai cru comprendre. Ils envoient tous les deux éclairs. Alors, ne vous approchez pas trop près ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. C'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragé, comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. Je sais pas qui sont ces usagers, mais en effet, la vie est facile pour personne. Ah oui, d'accord. Shamal, le gardien du clan Perle, est la demi-proportion du groupe Galaxy. Ah oui, il est aussi sympathique qu'une porte de prison. Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il suffit pour ça de venir à bout du plus important des sept. Bon, toi, bon, je vais te défoncer la gueule, on en reparle plus tard. J'étais tellement content quand j'ai vu Chamal. Chamal? 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 Chamal, Chamal. Je trouve ça trop cool. C'est qui Chamal? Alors je suis perdu là. Bon, non, merci. Rien d'autre qu'une faveur divine n'est accordée par le grand Sinnoh. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. C'est en laissant les monarques s'exprimer leur furie que nous retrouverons la fidélité du clan Diamant au grand Sinnoh. D'accord, ok, donc, ok, bon, t'es complètement con, d'accord. En quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond d'une montagne concerne le groupe Galaxy? Ben non, je vais avancer. Opinion bien égoïste alors que les Pokémon enragés souffrent clairement. Le mec avec toi. Ah oui, c'est lui, Chamal. Mais pourquoi? Il y a une référence à un autre jeu? C'est à vous de choisir, que voulez-vous faire? Bah, je continue. Enfin, allez, compte ta question. Pour rencontrer Farfurex, il va falloir vous traverser la grotte des Égarés. C'est une grotte particulièrement sombre, habitée de nombreux Nosferatu. Ok, bien attention où je mets les pieds. Moi par contre, si je le prends légende, c'est uniquement pour Marcia. Elle a un style plus moderne dans ce monde avec son sweat et ses bottines. Elle est hyper mignonne. Oh, c'est pour le gameplay. Ces étranges des torches censées éclairer les grottes ont disparu. Serait-ce l'œuvre de Camille? Probablement. Je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Oui, t'en fais trop là. J'avais un partenaire qui. Mes souvenirs sont flous, mais j'avais jadis un partenaire qui m'était cher. Ok. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'est un Pokémon utilisant le feu. Non, mais Jamal, de toute façon, t'es mort, hein, je pense. Si t'es à mes côtés, il aurait pu illuminer ce chemin pour nous. Faisons un arrêt ici. Oh, un Ostenfer! Cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. Je peux pas utiliser de Pokéball. Je me souviens d'un homme. Ne vous étonnez pas trop. Il a dit quoi? Je me souviens d'un homme qui. Quoi? Eh? De quoi? Où? Comment? Qu'ai-je? Qu'entends-je? Et surtout, j'aime gagner, c'est ce que je disais. C'est ce que je préfère, disait-il parfois. RIP à toi. Bah non, pourquoi? Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la gare des Égarés. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur malgré mon amnésie. Bon, c'est vrai que les textures de loin. Aïe! Non, mais c'est pas grave. J'en verrai d'autres. Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient s'aventurer dans cette grotte. Eh ben, c'était rapide.
J'ai bien procédé aux vérifications. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Donc, du coup, bien entendu, je vais. Il se souvient d'un homme qui lui ressemble. D'accord. Ouais, la pluie et le vent frappent à ma fenêtre. Je vais bien dormir, je sens. Ah, moi j'adore dormir dans ces conditions. Oh. Oh, il y a du Pokémon là-dedans. Oui, il faudrait peut-être un moment que je lance. Allez. Alors, j'en consomme deux, mais même s'il me reste un, je peux le faire. Intéressant. Bon à savoir. J'ai joué à toutes les générations, oui. Oui, j'ai joué à absolument toutes les générations. J'ai fait tous les jeux Pokémon de la licence principale. Tout ce qui est donjon mystère, etc. Non, j'avoue que j'ai pas fait. Hypnose. Ah merde. Bon, on va changer de Pokémon. Bah oui, on va changer de Pokémon du coup. Alors, pas de type sol. Ah, c'est bien. Si, il y a Ursaring qui craint pas l'eau. Tous les autres craignent l'eau. Oh, la petite plateforme pour Surfrousse, le mec qui s'émerveille pour tout. Ah, mais de toute façon. Moi, Pokémon Legends Arceus, je me suis émerveillé pour plein de trucs, quoi. Enfin, ça a été... Oh, c'est trop bien, ils ont fait ça. Oh, ils ont fait ça. Oh, c'est trop bien, les Pokémon, ils jouent avec toi quand si tu restes immobile. Ouais, ok, d'accord. Du coup... Chamal et Elian, le gardien de Hécateur, notamment, il y a des refs à une gêne en particulier. Ah ouais, alors ça, je suis très mauvais par contre, pour reconnaître les refs et compagnie. Ah! J'ai pris Nostanfer par surprise, comment ça? Ah, mais il est niveau 60 quand même, l'autre. Bon, il est brûlé, déjà, c'est bien. Mais oui, il y a plein de refs, je sais, mais je suis très mauvais pour reconnaître les refs sur Pokémon. Alors, bah, heureusement qu'il avait son attaque divisée par deux, hein. Oh, bah, rip. Vas-y, Hécateur. Et salut, Erza! Je vais boire étrangement, cette pluie assèche ma bouche. Ouais, il pleut toujours pas chez moi. Vas-y. Aéropic. Moi, le truc que j'ai le plus kiffé, c'est le sens petit détail à la noix. C'est que les chaussures de base et les chaussures avec semelles de bois font pas le même bruit au sol. J'ai pas fait gaffe à ça. Bon, on va prendre une Mega Mass Ball. Ah non, j'en ai pas en plus de Mega Mass Ball. Allô, le cadrage de la caméra, s'il vous plaît. Ah merde. Aïe, je vais mal le vivre. Ouais. Bon, on va faire que je tue là. Pas le choix.
Vas-y, lance-flamme. Ah, ça me tue pas. Par contre, il lui reste rien du tout. Pour le coup, je peux peut-être tenter le... Putain. Mais il va me laisser attaquer un moment, ce con. Là, on demande le cadrage de la caméra, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, je l'ai eu. Et bah du coup, YouTube, je pense que c'est sur cette capture d'un Eustanfer Baron, niveau 60, que l'on va se quitter. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut, bye bye!